Bonjour à tous, c'est Gezor, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous propose la vidéo suivante sur les pistolets, donc qui va mettre en avant le B23R. Alors, le B23R, c'est un pistolet qui n'est pas comme les autres. Par sa façon de tirer, c'est un pistolet à rafale. Donc, tout comme le Rafika dans Modern Warfare 2. Alors, il faut savoir qu'il a beaucoup de ressemblances avec le Rafika. Et on va aller directement aux choses qui vous intéressent, c'est-à-dire les dégâts. Alors, les dégâts du B23R vont de 45 à 19 à distance. Alors, 45, ce qui vous permet de tuer votre adversaire en une seule rafale, donc en 3 balles, et à distance en 6 balles. Alors, le principal atout de ces pistolets, c'est que à courte portée, vous allez one-shot votre adversaire avec une seule rafale très très facilement. Et c'est vraiment ce qui fait la grande force de ce pistolet. Ensuite passons à la portée, donc la portée minimale est de 12,50 m, ce qui est très très bon comparé aux autres pistolets qui étaient inférieurs à 10 mètres. Et on passe ensuite à un tir à 4 balles en dessous de 22 mètres, un tir à 5 balles en dessous de 31 mètres, et au-dessus de 31 vous mettrez 6 balles, c'est-à-dire 2 rafales pour tuer votre adversaire. Et souvent en fait à longue distance vous allez mettre bien plus de 2 rafales, parce que pour mettre les 3 balles dans l'adversaire à longue distance vous allez galérer. Alors ensuite, la cadence de ce pistolet est de 515 balles par minute. Alors, faut savoir qu'il faut se faire au fait que ça soit des rafales. Faut vraiment s'habituer au temps qu'il y a entre les rafales, car il doit y avoir, je sais pas, un quart de seconde entre chaque rafale, et faut vraiment s'habituer à ça. Sinon, il y a une cadence de tir qui est assez respectable, qui permet de tuer ses adversaires en un temps quand même relativement court. Ensuite, comme tous les autres pistolets, nous avons un bonus de headshot qui se situe à 40% supplémentaire. Et un bonus, pas de bonus du tout, de vitesse, donc qui vous restez à 100% de vitesse de déplacement. Alors, ce que je peux vous dire sur ce pistolet, c'est que c'est une très bonne arme secondaire. Alors, je ne la conseillerais pas en arme principale, par contre, parce que dans ce gameplay, je l'utilise en arme principale un peu pour vous montrer de quoi il est capable, mais c'est vraiment plus une arme secondaire, parce que à courte portée, autant vous allez surclasser toutes les autres armes, y compris les mitraillettes. Par contre, à longue portée, ouais, même à moyenne portée, vous allez vous faire rouler dessus par les mitraillettes, qui sont vraiment très très efficaces. Alors bien sûr, je vous parle pas des fusils à pompe à courte portée, qui de toute façon vont tuer à peu près tout instantanément, donc vous ne pourrez jamais surpasser un fusil à pompe, ça c'est clair, peu importe l'arme que vous utilisez, à moins que vous aussi vous utilisiez un fusil à pompe, c'est pour ça que j'en parlerai pas. Alors maintenant, je vais vous parler un peu des accessoires de ce pistolet. Donc le premier accessoire que je vous conseillerais, c'est quand même les chargeurs grande capacité, car il faut savoir que le chargeur de base ne contient que 15 balles, donc ce qui vous permet de faire 5 rafales. Et des fois, si vous avez deux adversaires en face de vous, ça ne suffit pas. Donc je préfère mettre les chargeurs grande capacité pour passer à 21 balles dans le chargeur et vous permettre de faire 7 rafales. Et c'est vraiment très très confortable de pouvoir tirer un peu plus de balles. Et ça doit être la seule arme de Black Ops 2 d'ailleurs sur laquelle je préfère mettre les chargeurs grande capacité que le chargeur rapide. Parce que d'habitude, le chargeur grande capacité n'augmente pas tant que ça le nombre de munitions que vous disposez, et c'est pas vraiment très utile. Et c'est vraiment la seule arme sur laquelle je trouve que c'est utile. Alors sinon, en deuxième accessoire, je peux vous conseiller également le viseur laser, donc qui va augmenter votre précision d'environ 75% donc au tir au jugé, et c'est vraiment très, très 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 important. Après, moi je ne l'utilise pas parce que bien, je vise très souvent, mais que je n'ai pas envie de gaspiller un peu des points dans un deuxième accessoire, parce que ça rajoute quand même deux points de classe. Donc j'ai pas envie de gâcher ça, je préfère prendre un atout supplémentaire. Après, c'est un peu vous de voir, puis ça dépend aussi si vous utilisez une arme principale à côté, parce que si vous utilisez une arme principale, vous allez vouloir garder des points pour mettre des accessoires sur votre arme principale, et non sur votre arme secondaire que vous allez utiliser quand même très peu fréquemment, normalement. Donc ensuite, éventuellement, comme accessoires qui peuvent être utiles, il y a le silencieux si vous tenez absolument à rester hors de portée du radar, mais c'est pas du tout indispensable, je trouve, avec ce pistolet. Et également le réflexe, qui lui je ne vous le conseille pas, par contre, le réflexe, parce que sur tous les pistolets, ça a tendance, j'ai l'impression, à vous réduire votre champ de vision, et c'est vraiment plus difficile à viser avec un viseur réflexe, c'est un peu paradoxal, enfin c'est comme ça. Ils ont voulu mettre un viseur réflexe sur les pistolets, je ne vois pas trop l'intérêt, mais bon. Il y est, donc pourquoi pas l'utiliser après tout.
Et également, bon, vous pouvez mettre le dual wield, donc l'akimbo, mais je vous conseille pas non plus parce que ça réduit beaucoup trop votre précision et vous allez plus rien faire à moyenne distance. Donc vraiment, ce que je vous conseille, c'est mettre soit le chargeur grande capacité, soit le viseur laser, soit éventuellement les deux si vous voulez mettre deux accessoires sur votre arme secondaire. Donc voilà ce que je vais vous dire sur les accessoires. Alors maintenant je vais parler quand même un petit peu du recul de ce pistolet. Donc le recul, il faut savoir qu'il est assez facilement gérable. C'est un recul qui est complètement vers le haut. Donc il est très très facile à gérer. Comme c'est un pistolet rafale, il en a quand même relativement peu. Donc c'est quand même un gros avantage. Donc ça vous permet de faire des tirs à moyenne et voire à longue distance éventuellement, même si le recul entre chaque balle est quand même assez important pour faire des longues distances. Ça vous permet de faire des tirs à moyenne portée très très facilement. Donc voilà pour le B23R. Donc pour conclure, je dirais que c'est un très bon pistolet, mais qu'il faut quand même le garder en arme secondaire et non en arme principale. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aura été utile, et si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un j'aime, laissez un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. Et voilà, je vous dis à plus, allez, salut! Shut out.